Ce n'est pas tous les jours qu'on repêche un corps dans la Seine, malgré les tentations que les ponts de Paris offrent à tous les désespérés désireux de mettre fin à une vie d'infortune. Cette fois pourtant, le cas était différent. La découverte d'une voiture d'infirme prouvait la tragique évidence d'un accident que le malheureux n'avait pu éviter. L'inspecteur Bolbec nota jusqu'au moindre détail et me fit son rapport pendant que nous revenions au quai des Orfèvres. Notre première démarche fut de nous adresser au service d'immatriculation des voitures afin de savoir à qui appartenait celle qu'on avait trouvée sur les lieux de l'accident. Beaumont à l'appareil. Oui. Oui. Bolbec ici. Ah, je vois. Oui. Bien. Oui, merci beaucoup. Merci. Bon, c'était... non, après toi. C'était la morgue. Une autopsie très rapide a prouvé que la victime était morte depuis 48 heures. Et dans l'eau depuis samedi. Moi, j'ai appris au service d'immatriculation des voitures que la nôtre a été enregistrée au nom de Louis Brousseau, 53 Quai d'Orléans. On fera bien d'y aller. Attends une minute. Louis Brousseau, j'ai déjà vu ce nom quelque part. Ah oui, il est ici. Brousseau, sur le rapport des personnes disparues. Tu viens? En route. Dis donc, il fait si beau aujourd'hui. On pourrait y aller à pied? Hein? Mais ça n'est que de l'autre côté du pont, à deux pas. La police? Oui, je suis l'inspecteur Beaumont. Voici l'inspecteur Bolbec. Bien, entrez. Merci. On ne peut pas dire que vous soyez pressé. J'ai téléphoné il y a des Mais heures. Mais nous avions d'autres affaires à régler, madame. Est-ce vous qui avez signalé la disparition de monsieur Brousseau? Oui, je suis madame Clignard, la cousine de monsieur Brousseau. Vous habitez ici? Autrefois, oui, j'habitais ici. Je m'occupais de lui en ce temps-là. Maintenant, j'habite hors de Paris, à Saint-Cloud. Mais pourquoi croyez-vous que monsieur Brousseau a disparu? La concierge a dit qu'il est sorti samedi et qu'il n'est pas revenu. Ça ne lui ressemble pas. Je me demande ce qui a pu lui arriver. Nous l'avons retrouvé ce matin. Dans la Seine, madame. Il s'est noyé dans l'après-midi de samedi. Ah, j'en connais une qui va être heureuse, c'est Madeleine. Qui est Madeleine? C'est la fille de son meilleur ami. Quand ses parents ont été tués dans un bombardement à Caen, elle est venue à Paris, retrouver monsieur Brousseau. Oh, ça marchait bien au début, elle n'était qu'une enfant de 13 ans. Mais quand elle a été plus grande, ça a changé. Qu'entendez-vous par ça? D'abord, il l'a adoptée légalement. Ensuite, il m'a dit qu'il n'avait plus besoin de moi, que Madeleine maintenant allait s'occuper de lui. On peut dire qu'elle s'en est occupée. Le pauvre homme ne roulait pas sur l'or, mais il avait assez d'argent pour vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours. Heureusement pour lui, étant donné son infirmité. Mais je doute qu'il en reste beaucoup maintenant. C'était un scandale de voir comment elle le dépensait. Tu sors ce soir, ma chérie? Oui.
Raoul doit venir me prendre dans sa voiture de sport. Son père a refusé de lui laisser la conduite intérieure pour le week-end. Je trouve que c'est mesquin de sa part. Peut-être que le marquis en avait besoin lui-même. Eh bien, il aurait pu choisir un autre jour. Oh, est-ce qu'il te plaît? Quoi? Mon nouvel ensemble. Il sort de chez Balmain. Il est ravissant, mais il doit coûter terriblement cher. Oh, tu ne vas pas t'arrêter à un détail aussi mesquin, papa Louis. Oh, c'est lui qui arrive, je ne veux pas le faire attendre. Tu rentreras tard? Oh, j'avais oublié de te dire, la comtesse de Chambord nous a invités à passer le week-end à la campagne. Je reviendrai dimanche soir. Ou lundi soir, au plus tard. J'aimerais que tu trouves un petit moment à passer avec moi. Mais oui, papa Louis, mais oui, c'est promis, je le jure, aussitôt que j'aurai une minute. J'ai dit à la concierge de monter te voir de temps en temps. Passe un bon week-end. Elle s'en allait à chaque week-end. C'était les seuls jours où je pouvais venir le voir. Et je sais ce qu'a été sa vie, le pauvre homme, il me disait tout. Un bon week-end, il l'a eu, son bon week-end. Oui, au fond d'une rivière. Bien, il nous reste à vous remercier de tous ces renseignements, Madame Clignard. Oh, je pourrais vous en dire bien davantage sur elle, et Paul encore plus. Qui est Paul? C'est un jeune homme charmant. Il est amoureux d'elle, sincèrement, alors qu'elle n'est amoureuse que de l'argent. Voyons, ce Paul, quel est son nom de famille? Giraud. Paul Giraud. Où peut-on le trouver? À la banque de la cité de Paris, il travaille là. Demandez-lui, il en sait long. Allez-y, demandez-lui. Nous le ferons. Merci. On ne va tout de même pas aller à pied à la banque. Non, on va prendre la voiture. Heureusement, mes pieds... Je sais, ils sont en sang. Monsieur Giraud? Oui. Police. Je suis l'inspecteur Beaumont. Et voici l'inspecteur Bolbec. Je crains que vous ne vous soyez trompé de service si c'est pour un contrôle du personnel. Non, c'est vous que nous voulons voir. Est-ce que vous connaissez Madeleine Brousseau? Madeleine? Que se passe-t-il? Lui est-il arrivé quelque chose? Non. Il ne s'agit pas d'elle, mais de son père adoptif, monsieur Brousseau. Louis? Oui. On a trouvé son corps dans la Seine ce matin. Mais c'est affreux. Nous voulons en informer sa pupille. Peut-être savez-vous où elle est? Eh bien, elle est partie samedi matin pour les 24 heures du Mans. Je pense qu'elle doit être de retour. Voyons, Madeleine et vous, vous êtes fiancés, n'est-ce pas? Oui, mais rien n'est encore officiel. Mm-hmm. Quand avez-vous l'intention de vous marier? Je n'en sais rien encore. Dans quelque temps ou jamais, j'en ai peur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, c'est difficile à expliquer. Elle est vraiment merveilleuse, ravissante et gaie. La plus jolie jeune fille que je connaisse. C'est Louis qui nous a présentés. Monsieur Brousseau? Oui, nous étions en affaires tous les deux depuis quelques mois. Et un jour, il m'a invité chez lui pour dîner. Puis, une chose en entraîne une autre et bientôt nous sommes sortis, elle et moi, 2-3 soirs par semaine. Louis m'avait prévenu de son amour de l'argent, mais je vous l'ai dit, elle était la plus jolie des jeunes filles que j'avais connues. Puis, je me suis demandé si je pourrais jamais faire son bonheur, si je pourrais jamais gagner assez d'argent. C'est comme cette semaine, quand elle est partie, je lui avais demandé de ne pas le faire. Je vous en prie, n'y allez pas, Madeleine. Oh, Paul, ne soyez pas stupide. Mais ça me déplaît, Madeleine, de vous voir partir de cette façon, partir avec n'importe qui. Je vous ai dit que je partais avec Suzanne et son frère. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à venir aussi. Oh, vous savez très bien que j'ai du travail demain. Et dimanche, je dois déjeuner avec ma mère et mon père. Écoutez, pourquoi ne pas rester et déjeuner avec nous? Mon cher, merci bien. Je préfère la course au déjeuner. Quand nous serons mariés, vous devrez changer de vie. Si nous nous marions, je continuerai à préférer la course du Mans au déjeuner avec votre père et votre mère. Oui, quelquefois, elle avait vraiment le caractère difficile. C'est à ça que je pensais quand j'ai dit que j'avais peur de l'épouser. Je crois que je n'aurai jamais assez d'argent. Et quand devez-vous revoir votre fiancé? Nous avons rendez-vous ce soir. Nous avons l'habitude, tous les lundis soirs, de remonter les Champs-Élysées jusqu'à l'Étoile. Ah oui. Encore une question. Ce monsieur Brousseau, il avait beaucoup d'argent? Mais oui, il avait une certaine fortune. Et il l'avait déposé quelque part? Dans cette banque.
C'est ici. Merci, monsieur. Madame. Et si mademoiselle Brousseau revient, surtout ne lui dites rien. Nous voulons lui annoncer nous-mêmes. C'est entendu. Merci. Faudrait appeler le bureau. Oui. Allô? Police judiciaire? Inspecteur Bolbec à l'appareil. Avez-vous du nouveau pour l'inspecteur Beaumont ou moi? Oui? Oui? D'accord. Merci. Ils ont le rapport complet de l'autopsie. Brousseau n'est pas mort de ce qu'on croyait. Que veux-tu dire? Il est mort d'une crise cardiaque. Il était mort avant de tomber à l'eau. Qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Beaumont de la police judiciaire. Voici l'inspecteur Bolbec. Vous êtes Madeleine Brousseau? Oui. Pourquoi êtes-vous ici? Où est papa Louis? Il est mort. Quoi? Mort? Mais comment? Il s'est noyé. Oh non! Oh non, c'est pas vrai! Nous comprenons votre douleur. Et vous prions de nous excuser, mais nous avons quelques questions à vous poser pour le rapport officiel. Je comprends. Monsieur Brousseau était votre père. Il était mon père adoptif. Il m'a adopté quand j'avais 13 ans, après la mort de mes parents. Et vous avez toujours vécu avec lui depuis? Oui. Il était très bon pour vous, n'est-ce pas? Il m'avait donné un foyer que je méritais en prenant soin de lui. Et aussi, il vous faisait beaucoup de cadeaux. Est-ce que ça? Non, c'est faux. En dépit de ce qu'on a pu vous dire. Oui, oui, on nous a dit qu'il vous avait offert des bijoux, des robes. Il ne m'avait offert qu'un toit. Mes robes, c'est moi qui les payais. Je travaille chez Patou et on me les vend en me faisant un rabais. Or, je sais, papa Louis se vantait à tout le monde de me les offrir. Ça lui faisait plaisir, alors je le laissais parler. Les bijoux. Oui, il m'a donné ça, à ma première communion. Ceci m'a été offert par Pierre. Pierre? Pierre de Rosselet. Un bien charmant garçon. Il voulait m'épouser, mais... Mais un jour, il a cessé de me voir. Depuis que papa Louis lui a parlé de moi. Que pensez-vous de Paul Jureau? Oh, c'est autre chose. Paul est très gentil, je crois. Papa Louis l'a encouragé à venir chez nous au début. Grâce à lui, je pouvais fuir cette maison de temps à autre. Je suppose que j'aurais fini par l'épouser rien que pour cette raison. Mais depuis vendredi soir, j'ai compris que c'était impossible. Que s'est-il passé vendredi soir? On avait rendez-vous. Tous les vendredis soirs, nous marchons le long du boulevard Saint-Michel. Et il m'a ramené à la maison vers 10 heures. Paul n'aime pas se coucher tard. Nous sommes restés quelques minutes à bavarder. Bonne nuit, Paul. Et merci de cette charmante soirée. J'aimerais que vous changiez d'avis et que vous déjeuniez avec mes parents dimanche. Oh, une autre fois, Paul, je le promets. Oh, ça me déplaît, Madeleine, de vous voir ainsi partir n'importe où et avec n'importe qui. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à aller à cette course avec Suzanne et son frère. Eh bien, moi, j'y vois du mal. Je trouve que c'est une perte et de temps et d'argent. Louis a d'ailleurs la même opinion que moi. Si je comprends bien, on a écouté papa Louis une fois de plus. Bonne nuit, Paul. Attendez une minute, Madeleine, il n'a dit que... Je sais, je sais. Je suis habituée, il vous a dit du mal de... Non, ce n'est pas ça, Madeleine, c'est seulement... Ça suffit, Paul. J'ai compris. Je ne dirai pas bonne nuit. Pour moi, c'est adieu. Eh bien, ma chérie, tu reviens tôt ce soir. On n'est jamais en retard avec Paul. Non, c'est un garçon sérieux et charmant. Et pourtant, crois-moi, chérie, il n'est pas digne de toi. Oh, pas plus que Pierre de Rosselet n'était digne de moi, je suppose. Oui, puisque tu m'en parles. J'aimais Pierre, je le trouvais très bien. Mais pas pour toi. Mais qui est digne de moi, alors? Qui donc arrivera à te plaire?
Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je reste ici à dépendre de toi, uniquement de toi, jusqu'au jour où je serai une vieille plante desséchée comme Madame Cugnard? Non, ma chérie, pas du tout. Peut-être, ceci te dira-t-il ce que je veux. Je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ma chérie, que je veux que tu sois ma femme. Oh, ta femme? C'est impossible. Je suis légalement ta fille. Il y a des moyens d'arranger ça, quand on sait à qui s'adresser. Il ne reste qu'à régler certaines formalités. Ensuite, ma chérie, dans un mois, tu pourras être légalement ma femme. Quand tu es arrivée, tu n'étais qu'une chrysalide. Et tu es devenue un merveilleux papillon. Et chaque jour, je t'ai aimé davantage. J'ai besoin de toi. Et toi, de moi. Et un jour, quand je mourrai, tu posséderas tout ce qu'une femme peut désirer. Je t'aime, Madeleine. Je t'aime. Et je te veux à moi. Oh, vous êtes immonde. Vous me dégoûtez, je vous hais. M'épouser. M'avoir à lui. C'est pourquoi il disait tous ces mensonges sur moi. C'est pour ça que chaque fois que je semblais plaire à un homme, il s'efforçait de l'éloigner de moi. Depuis le début, hypocritement, il voulait me garder pour lui tout seul. C'est la vérité. Bien sûr, tous les autres vous diront le contraire. Mais tout le monde plaignait le pauvre vieux Louis Brousseau, le pauvre infirme, dont la fille était égoïste et ingrate. Au fond, je suis heureuse qu'il soit mort. Eh bien, merci, mademoiselle, vous nous avez été très utile. Oh, puis-je me permettre une question? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui pourrait nous renseigner, quelqu'un qu'il connaissait bien? Oh, je ne vois que sa cousine, Madame Clignard. Ah, nous lui avons déjà parlé. Mais je crois que nous irons la revoir. Merci. Au fait, est-ce que la course vous a plu au Mans? Oh oui, beaucoup. Je suis folle des courses d'automobile. Je n'en manque pas une seule. Et c'est plutôt curieux pour une jeune fille. Pas pour moi. Ah, cette Gonzalez, c'est rapide. Oh, elle tient la route et il faut la voir prendre les virages. Elle a gagné avec plusieurs tours d'avance, je crois. 8 environ. La Jaguar seconde et la Cunningham troisième, c'est bien ça? Oui, mais loin derrière. La Gonzalez a pris la tête dès le début. Vous étiez avec une amie? Oui. Quel est son nom? Suzanne Devray. Et son adresse? 33 rue des Saints-Pères. Pourquoi cette question? Oh, selon la coutume, il est nécessaire de tout vérifier dans un cas comme ça. Un cas? Un cas comme quoi? Noyade. Au revoir. Au revoir. Molbeck, je crois qu'il faudrait que tu passes au 33 rue des Saints-Pères interroger cette jeune fille. Pourquoi ça? J'étais moi aussi persuadé qu'elle disait la vérité, jusqu'au moment où elle s'est coupée. Comment? Tu ne t'y connais pas beaucoup en voiture de course. Assez pour refuser d'y monter. Ben, il y en a une où tu ne risques pas de monter. C'est une Gonzalez. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas. Gonzalez, c'est le nom du pilote qui a gagné au Mans. Or, elle a cru que c'était la voiture. Je suis certain qu'elle n'est pas allée au Mans ce week-end. Très intéressant. Oui, j'inventerai un prétexte pour l'emmener au bureau. Si la déposition de son ami ne concorde pas, amène-la avec toi. D'accord, à tout à l'heure. Inspecteur, j'exige de savoir pour quelle raison vous me retenez. Peut-être que l'inspecteur Bolbec pourra vous l'expliquer. Mademoiselle, je voudrais que vous nous disiez où vous avez passé le week-end. Je vous l'ai dit, inspecteur, aux 24 heures du Mans. Ah. C'est très curieux, j'aurais pensé que c'était à l'hôtel du Vert Galant, sur la rive gauche. Non, je vous répète que j'étais au Mans. Demandez à Suzanne. Oh, je l'ai fait. Elle dit que vous n'y êtes pas allé. C'est un mensonge. Et ça aussi? Qu'est-ce que c'est? Une fiche d'inscription venant de l'hôtel du Vert Galant. Une jeune fille répondant à votre signalement a rempli cette fiche samedi matin, en prétendant s'appeler Mathilde Revel. Je suis persuadé que nos experts prouveront facilement que c'est vous qui l'avez écrite. Comment l'avez-vous eue? Eh bien, sans beaucoup de difficultés. Grâce au numéro de téléphone que vous aviez laissé à Suzanne.
Suzanne est ma meilleure amie. Jamais elle ne vous aurait dit ça. Non. Entrez. Suzanne, je suis désolée, Madeleine. J'avais promis de ne révéler à personne que tu n'étais pas venue à la course. Je te jure que j'aurais respecté ma promesse et j'aurais menti pour toi à n'importe qui, mais à la police. J'ai eu peur, Madeleine. C'est très grave. Et tu prétends être mon amie? Elle ment. Pourquoi a-t-elle osé dire ça? Probablement parce qu'il est plus facile de dire la vérité que des mensonges. Voyons, essayez, vous aussi. Alors, Madeleine. Que pouvais-je faire? J'étais prise au piège. Oui, on m'aurait reproché de quitter un infirme. Après cet affreux vendredi soir, je savais que je ne pouvais plus vivre avec lui. Vous comprenez? Le lendemain, en partant, je l'ai vu là-bas sur le quai. Il avait l'habitude d'y aller quand il faisait beau. Il était endormi. J'ai poussé la voiture jusqu'au bord, si doucement qu'il ne s'est pas réveillé. Cette douceur était bien inutile, Madeleine. Que voulez-vous dire? Il n'était pas endormi. Il était déjà mort, d'une crise cardiaque. Alors, je ne l'ai pas tué? Non. Alors, je suis libre? Cela dépendra du juge et du jury. Quel juge? Quel jury? Celui devant lequel vous passerez. Pour meurtre avec préméditation.